Bon, me revoilà. Donc, on est dans une deuxième école. Deuxième école, on a réussi à voir le directeur qui était présent, tiens. Avec, voilà, avec les ambassadeurs ici qui sont là. Alors, problème. On est dans une école et juste à côté de la cour de l'école où les enfants peuvent jouer, ils sont en insécurité. Pourquoi? Parce qu'on a un garage. Un garage clandestin, parce que c'est pas un garage clandestin, tout le monde rentre par le biais de ce portail-là. On a une église qui refuse que l'école ferme mette le portail. D'accord? Voilà, l'église qui est là, les pasteurs refusent que l'école soit clôturée, je ne sais pas pour quelle raison. Le directeur nous a seulement dit que voilà, le pasteur a répondu que c'est l'école qui a créé l'église et non le contraire. Donc voilà, ici on a un garage, on a visité les salles de cours, on a vu parler avec des professeurs. Voilà les deux écoles sur lesquelles j'aimerais qu'on puisse vraiment commencer. On est à Yolo, je vais faire pratiquement toutes les villes jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, ce projet, il tient à cœur à tout le monde. L'éducation, c'est important et il faut se rappeler. Voilà, donc on a ici les salles de cours. Alors on a une salle là. Voilà, je vais vous montrer vite fait, mais vraiment comment les salles sont faites. Voilà, regardez, manque de lumière. Voilà, regardez. Là, on est dans une salle de classe. Voilà, ici, comme vous pouvez voir dans la salle de classe, il n'y a pas de lumière. Professeur Azab. Abimi. Ok. Ah ouais, classe non. D'accord. Professeur, je peux juste filmer hein, la classe. Restez assis, restez assis. Voilà, Le les élèves. Je voulais parler tout de suite. Ok. Restez assis. Voilà, regardez un petit peu. Constatez par vous-même avant que moi je puisse vous envoyer mes images à moi. Voilà, j'aimerais que vous voyez par vous-même. Donc on est vraiment dans le total noir. Si on ferme la porte et que... Fermez, fermez, fermez. Voilà. Voilà comment on est. La seule lumière qui rentre ici, c'est ça. C'est les trous qui sont ici. Il y a combien d'élèves? J'ai 59 élèves. Il a 59 élèves pour une classe. Imaginez. Dans quelles conditions? 64. 64 abandons. D'accord. Donc imaginez dans quelles conditions ce monsieur travaille. Donc voilà, je voulais que vous constatiez par vous-même. Moi j'ai pris les images et faisons le travail. Voilà, merci. Okay. Au revoir.